Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 15 au 21 juillet. Comme d'habitude les amis, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et à la fin du tirage, vous vous concentrerez sur une question ou une problématique et je tirerai 2-3 cartes d'un nouveau jeu. Et on verra les réponses qui vous seront données. Allez, Capricorne pour votre semaine du 15 au 21 juillet. Alors déjà, votre énergie de la semaine, les Capricornes, la justice, ça y est, vous commencez un nouveau chapitre. Le plus compliqué, le plus difficile est derrière vous. Hein. Avec 10 d'épée, c'est une fin de chapitre. La justice officialise, la justice, elle réajuste, elle répare, c'est le karma. Alors déjà, tout ce qui est juridique, administratif, signature, engagement, avec la justice, tout ça, c'est favorisé, c'est accéléré. Et comme je vous le disais, il y a l'idée d'équité. Et aussi une forme de vérité. Hein. Il y a l'idée de karma, donc de vivre aussi les conséquences de ses décisions, des actions passées. Donc voilà, il n'y a pas l'idée de bien ou de mal. C'est un peu le retour de bâton, que ce soit positif ou négatif. Hein. Il y a l'idée donc d'être jugé par rapport à ses actions. Et puis, une décision qui doit être prise dans votre vie, quelque chose doit être tranché, il y a une solution qui doit être trouvée, bien peser le pour et le contre. Donc il va falloir rester le plus objectif possible dans cette prise de décision pour trouver la meilleure solution, la plus juste pour tout le monde. Hein. Donc après oui, comme je le disais, tout ce qui est mariage, divorce, succession, procès, juge, notaire, huissier, il y a cette notion de décision juste. Allez, on continue pour nos amis Capricorne. Semaine du 15. Allez, semaine du 15 juillet pour nos amis Capricorne. Alors, donc on a bien l'union, un contrat, un partenariat. Alors, je vais aller baisser mon rideau. Parce que sinon ça fait des reflets et je vois rien. Voilà. Alors, en d'autres paquets, on a le déménagement, le changement. Bon, bah écoutez, pas mal de trajets cette semaine, les Capricornes. Donc effectivement, pour ceux qui ont l'intention de déménager, il y a cette idée de commencer à faire le tri chez soi. Pas mal d'aller-retour. Après, le déménagement, c'est aussi une carte de tri, faire du tri dans sa vie. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes en plein cheminement, vous êtes sur le bon chemin. Il peut y avoir aussi des petits trajets, des petites vacances, hein, des petites choses comme ça. En tout cas, vous êtes sur votre lancée. On a ici, avec l'union, un contrat, un partenariat. Il peut même y avoir un rendez-vous ici. Ça vous cause du souci. J'ai l'impression que ça vous cause des petits soucis ici. Il peut y avoir des contraintes peut-être financières qui pourraient vous enquiquiner, qui pourraient vous stresser, qui pourraient vous inquiéter ici. Avec le printemps, il y a quand même cette idée de changement. Vous allez peut-être devoir vous réorganiser au niveau des dépenses, tout ce qui touche à l'argent. Donc les dépenses, les rentrées d'argent, épargner, peut-être même la façon de gagner l'argent, hein, le travail, etc. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous turlupine. Il y a un petit détail ici qui vous mine. Ça reste un petit peu flou, ça reste dans l'incertitude, c'est un peu nébuleux, mais je sens que ça vous travaille quand même. Je vais recouvrir ce qui pourrait vous travailler ici. Le bien-être, ça vous stresse pas mal. Pour certains Capricornes, oui, vous voyez, j'ai encore la justice. Il y a de l'arnaque. Il y a de l'arnaque, il y a du mensonge. Il va falloir être très prudent. Il va vraiment falloir ici être précautionneux, méticuleux. Ouais, les Capricornes, là, faites des recherches. Faites des recherches, renseignez-vous. Je pense qu'il va falloir peut-être anticiper certaines choses, anticiper peut-être certaines démarches juridiques, administratives. Hein. Protégez vos arrières.
Et le côté financier, c'est peut-être les dépenses engendrées qui vous enquiquinent. Bon, moi j'ai quand même l'impression que vous vous en tirerez bien. Ouais, vous dégagez quelque chose qui rassure, vous vous en tirerez bien. Si vous avez, si vous, enfin, il y a eu un projet, une entente qui a engendré pas mal de dépenses, moi j'ai l'impression que il y a l'idée de retour sur investissement. Donc oui, pour certains, vous passez enfin, des moments un petit peu compliqués, ça vous perturbe, ça vous mine. Mais pour moi, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, donc la reconnaissance de votre statut, de ce que vous avez fait. Et donc, comme si vous étiez hors de cause ici, pour ceux à qui ça parle. Hein. La lenteur, hein, la déchirure. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose, c'est lent, ça traîne. Vous y arrivez, hein, vous arrivez, mais alors, il y a des délais, il y a des étapes. Mais là, vous êtes en train de faire un grand nettoyage, de vous purifier. Vous allez vous sentir. Alors, on sent, hein, la solitude et la destinée. Je sens que par moments, vous avez besoin d'être seul, vous vous sentez seul, incompris. Mais voyez, pour moi, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres. Ou ce combat que vous pourriez peut-être mener, hein, va quand même tourner à votre avantage. De toute façon, il y a des choses qui sont louches, qui sont suspectes. Vous allez éclaircir tout ça, vous allez apporter des réponses également. Pour moi, vous êtes mis hors de cause. Il y a peut-être aussi votre dossier, un dossier, une demande qui est examinée, qui est étudiée. Et pour moi, bah, vous êtes mis hors de cause. Pour moi, votre dossier est accepté. Voyez, vous n'êtes pas mis en cause, vous n'êtes pas en tort. Ensuite, mais vous avez un don, vous avez quelque chose, une manière d'être, une manière de faire, tout ce qui a été fait, les conséquences. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de mauvaises conséquences pour vous. Il y a un juste retour des choses. Ensuite, au niveau de votre relationnel. Capricorne, semaine du 15. Capricorne, alors j'ai une carte qui se retourne. Capricorne, semaine du 15, là aussi. Bon, très bonne semaine les Capricornes, je vous vois beaucoup sortir. Beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, de discussions. Oh bon, alors, je sens que si vous êtes en couple, il y a un petit peu de jalousie. Hein, peut-être que votre partenaire ou vous, hein, vous plaisez. Enfin, ça peut être que nous, les Capricornes, évidemment. Nous sommes irrésistibles. Mais enfin, voilà, il y a l'idée de plaire, l'idée d'attirer du monde, d'attirer des personnes. Alors, si vous êtes en couple, ouais, il pourrait y avoir une petite pointe de jalousie de l'autre. Mais il y a cette confiance. Justement, c'est bien parce que je pense que votre partenaire, ouais, cette petite pointe de jalousie va quand même peut-être vous rapprocher. Si vous étiez avec quelqu'un très peu loquace, très peu bavard, j'ai quelqu'un qui va bah, s'ouvrir un petit peu plus. Donc voilà, j'ai des liens qui se renforcent ici dans une relation hein, qui est déjà établie. Pour les célibataires, bah, les sorties, les réseaux sociaux, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Je vous vois vraiment vous éclater, vous amuser. J'ai quelqu'un là avec qui, alors peut-être que de prime abord, avec cette personne-là, ouais, inaccessible, ouais, j'y vais pas, j'ai aucune chance. Ou alors, enfin, vous voyez, de prime abord, on n'y va pas. Et puis finalement, on discute, on échange, des petits regards. Il peut se passer quelque chose d'assez intéressant. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, les Capricornes, je vous sens cette semaine faire beaucoup de sorties en couple, avec des amis. Je vous sens vraiment dans l'engagement également. Il y a une espèce de confiance qui ressort de votre jeu, quel que soit votre statut. J'ai quelque chose d'instantané. Hein. Donc, rien à signaler, les Capricornes, bien au contraire, je vous sens vraiment très sociable. Maintenant, vous allez vous concentrer sur une situation, une problématique. Alors, c'est un jeu qu'on m'a envoyé qui s'appelle l'oracle des réponses divines. Et donc, on va regarder. Vous vous concentrez bien, les Capricornes. Réponse pour les Capricornes. Semaine du 18. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Danger.
Je vais en prendre 3. Changement. Ok. Et on coupe, on a le miracle. Et tout est possible. Bon, eh bien, on me parle d'une situation ici. Vous contextualisez, ok? D'une situation qui avait peut-être mal commencé, qui ça tournait à l'aigre, hein, avec le danger. On commençait à se poser des questions. J'y vais pas, je reste, je fais quoi? Je pense que dans cette épreuve que vous vivez, que vous avez vécue, les Capricornes, il en ressort quelque chose d'extrêmement positif. Vous allez rencontrer, vous avez rencontré, vous avez vécu, vous allez vivre des choses que jamais vous n'auriez vécues si vous n'aviez pas vécu cette situation-là. Ok? On me dit, il va se passer quelque chose, un dénouement, le miracle, il va se passer un dénouement. Quelque chose va se décanter pour vous, quelque chose d'inattendu qui va vous faire remercier, merci la vie, vous remercier l'univers pour ces belles choses qui arrivent pour vous. L'ancrage, la stabilité. Oubliez le passé, oubliez le reste, oubliez vos inquiétudes. Pour moi, il y a un changement extrêmement positif, il y a une belle transformation par rapport à quelque chose de très compliqué, très lourd que vous avez vécu, que vous vivez actuellement. Peut-être devriez-vous vous méfier d'une personne en particulier, hein, mais cette personne-là n'aura pas gain de cause. N'oubliez pas la justice, ami Capricorne. Voilà. Eh bien, écoutez, croyez au miracle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.